Albert. Bonjour monsieur. Nous avons vu tout à l'heure en œuvre avec l'appel électronique. Et comme tout en tentant diffusion, vous avez fait le choix sur l'appel électronique, là, en fait on appelle l'appel excavatrice. Dites-nous pourquoi vous avez fait le choix sur l'appel excavatrice. Merci monsieur de m'avoir passé la parole. En réalité, l'appel excavatrice dont j'ai fait le choix en cette année est une machine qui est proprement appelée la main de Dieu. La main de Dieu. Qui dit main de Dieu veut dire puissance. Et non seulement, elle est puissante en matière de terrassement. Elle fait plusieurs travaux à la fois. Donc on peut avoir le terrassement, on peut avoir le nivellement, on peut avoir le débouchage et plusieurs autres travaux que le BTP. D'accord. Oui. Monsieur Albert, dites-nous, actuellement vous êtes en train d'effectuer quel type de travaux? Actuellement, nous sommes en train d'effectuer le terrassement. Oui. Et aujourd'hui, dites-nous quel avantage vous trouvez, quel avantage à celui-là qui fait une formation avec des professionnels et qui est passé par une école de formation, quel que vous passez, et que celui qui passe qui fait une formation sur le tas, quelle différence vous trouvez aujourd'hui et quel conseil vous donnerez à d'autres qui aimeraient qui vous suivent ou qui aimeraient prendre le même chemin que vous? Bien. Monsieur, je vous dis encore merci parce que l'opportunité m'est donnée de présenter la différence qu'il y a entre l'école et le terrain et le tas, si on peut dire. On appelle dans le quartier le tas. Et dans le tas, on apprend, certes, mais nous ne sommes pas diplômés. Par contre, quand nous allons dans une école qui est une école de formation, déjà, vous êtes diplômés. Non seulement vous êtes diplômé d'un certificat, vous êtes diplômé d'un DQP qui est le diplôme de qualification déjà, professionnelle. Étant à l'école, vous avez les opportunités que vous n'avez pas. Des sociétés qui viennent, où vous voyez certains directeurs qui sont de passage. Ouais. Ils s'habillent comme un citoyen simple. Ouais. Ils viennent, ils regardent la façon dont vous travaillez. Et après, ils vous appellent, ils vous font appel, vous demandant si vous avez diplôme. Si vous avez diplôme qui vous qualifie à cette œuvre, vous êtes bien parti. Déjà, si vous n'avez pas de diplôme, sachant que vous êtes passé par le tas, l'occasion ne vous serait pas ouverte. Effectivement, vous êtes. Bon, monsieur Albert, oui, est-ce monsieur. Que vous pouvez nous dire aujourd'hui quelle opportunité le secteur vous donne à travers cette formation et par là, quel conseil? Parmi les métiers qui existent, parmi tant d'autres, quel conseil vous donnerez aux jeunes à rapidement trouver du travail? Premièrement, quel conseil vous donnerez aux jeunes à rapidement s'insérer professionnellement? Et puis, quel avantage vous avez eu et que vous serez avec le secteur? Le conseil que je donnerai aux jeunes dans l'avenir, pour ceux qui aimeraient bien faire dans le métier de la conduite des engins lourds. Ouais. Il faut d'abord être passionné, premièrement, aimer son propre métier. Et le conseil que je vous donne, c'est que n'allez jamais dans le tas. Le tas, certes, on apprend rapidement, mais on n'est jamais inséré dans le professionnalisme tel que l'école le fait. Hormis l'école, l'école vous donne le diplôme qui vous qualifie. Non seulement il vous qualifie et il a d'autres ouvertures pour vous. Il y a des sociétés qui passent par la direction de l'école disant qu'ils veulent des conducteurs. Oui. Et pour cela, venez nombreux au CEFTAC. Comme mon vieux père me l'avait dit un jour, à force de prospérer, on doit travailler. Non seulement au CEFTAC, on travaille. Comme vous avez vu, et vous voyez mon ami qui est en train de manœuvrer. D'accord. Le CEFTAC, c'est le travail, premièrement. Et deuxièmement, c'est la discipline. Et troisièmement, le succès. Merci. Je vous dis infiniment merci. Merci monsieur. Nous vous remercions d'avoir honoré à ce programme. Et j'espère que vous avez compris le conseil de monsieur Albert, qui vous a dit que pour les jeunes qui aimeraient faire des métiers et vous intéresser facilement, il est préférable beaucoup plus de venir vers les métiers de l'aménagement,
de l'aménagement, de la construction, tel qu'il a dit, les enjeux de travaux publics, et aussi il y a les enjeux de manutention du rivage. Alors, M. Albert nous a dit qu'avec le CEPCAT, les opportunités sont tellement nombreuses et l'insertion est rapide. Alors, M. Albert, merci de nous avoir donné votre temps. Merci, et nous laissons continuer votre temps. Merci. Très bonne journée à vous, monsieur.